Que vaut le nouveau film My Hero Academia World Heroes Mission? Sorti le 6 août 2021 au Japon, mais sorti le 26 janvier 2022 en France. Le troisième film est réalisé par le même réalisateur de l'anime, Kenji Nagasaki. Le scénario est quant à lui fait par Yusuke Kurada. Bien sûr, c'est une histoire totalement originale. Au cas où, je rappelle celui du manga. Dans un monde où 80% de la population mondiale possède des super-pouvoirs ici nommés Alter, on suit les aventures de Izuku Midoriya, l'un des rares humains ne possédant pas d'Alter. Malgré cela, Izuku rêve pourtant de rejoindre l'académie de Yuei et de devenir un jour l'un des plus grands héros. Mais un jour, Izuku a la chance de rencontrer son idole de toujours, All Might, numéro 1 des super-héros. Celui-ci va alors lui léguer son Alter, le One for All. Maintenant que la piqûre de rappel est passée, place à celui du film. L'organisation Human Rights voit les Alters comme des fléaux qui polluent la planète. Ils décident de supprimer ceux ou celles qui en possèdent. En gros, c'est le Ku Klux Klan, quoi. Pour ce faire, ils mettent au point des bombes qui entraînent les possesseurs d'Alter à perdre le contrôle de leur pouvoir, jusqu'à ce qu'ils en meurent. C'est vrai qu'une simple bombe explosive, c'est tellement surfait en ce moment. Afin de lutter contre cette organisation, les super-héros du monde entier sont mobilisés ainsi que les élèves de UA. Enfin, du monde entier, ils parlent surtout du Japon. Une course contre le monde va alors démarrer pour Deku et ses amis. Entre l'armée et tous les super-héros disponibles, prendre une classe d'apprenti héros japonais, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Ça servait vraiment à quelque chose de les emprisonner à l'école pour les protéger. Il est produit par la société Bones, qui produit aussi la série animée. On retrouve les mêmes voix des personnages, les mêmes vêtements, oui parce que les habits stylés là. Vous n'allez plus jamais les revoir, vous les verrez qu'au début et puis plus jamais. Et l'action est censée se dérouler pendant la saison 5. Entre l'épisode 16 et 17, parce qu'on sait tous à quel point la saison 5 a été la meilleure du monde. C'est totalement un mensonge. Pour contrer la menace du Ku Klux Klan, ils envoient les ados à travers le monde pour aider les plus grands pays, comme l'Égypte, États-Unis ou la France, avec des équipes totalement équilibrées. On a prévu pour vous des super-héros méga forts. Oui. Les plus prestigieux. Ah ouais? Je vous envoie ces trois héroïnes. C'est des ados? Oui, mais très fortes, hein. Une est un crapaud humain. L'autre peut faire graviter les objets. Tu parles de la télékinésie? Non, juste graviter les objets. Et la dernière peut pas lancer des puissants énergies dévastateurs. Ah, enfin. Mais qu'à court terme, hein. Après elle est fatiguée. On vous a fait quoi? Mais de quoi parlez-vous? Il y a une volonté de nuire, hein. Et le soja sucré alors? Je le savais. Vous avez qu'à avoir vos propres héros aussi, non mais... Déjà que dans l'anime, l'intrigue avance pas vite, mais le film c'est la même chose. Comme par hasard, les trois héros les plus forts de UA se retrouvent dans la même équipe. Pendant une heure c'est le blabla et 30 minutes de combat. Pendant une heure on va parler de la fuite de Deku et... Ah, les autres personnages! Oubliez-les. À part être figé sur un écran à chaque fois que Deku passe, ils vont rien faire du tout. Et l'animation? Quand tu sors d'une séance de Demon Slayer, Sword Art Online ou Bell, tu es désolé, ça pique les yeux. J'ai l'impression que ça tourne en 30 FPS. Heureusement que la musique est là pour monter un peu le niveau. Le film est juste beau. Il n'est pas oufissime, mais reste regardable. Le film introduit Rudy, un jeune homme débrouillard qui va avoir une grande importance dans le récit. En effet, celui-ci va faire équipe avec Deku. L'histoire et les personnages sont pas assez exploités. Mais bon, comme Deku, Bakugo, Todoroki sont là, on s'en fout des autres. Hein. Le titre est trompeur, tous les seconds rôles sont nombreux à faire un KBO mais ne servent pas à grand chose. Cependant, comme on a le droit à de très nombreux combats et que la partie finale ne montre que ça, oui, le combat final est aussi long et superficiel que le reste, malgré une mise en tension de niveau héroïque. Cela permet de redécouvrir avec plaisir les différentes capacités des uns et des autres. Un peu d'humour par-ci, un peu d'action par-là, le tout avec une très belle musique, est un beau film et divertissant qui permet de retrouver sur grand écran les personnages qu'on aime. Avec une histoire mettant en l'honneur les héros et parlant avant tout d'humanité. Une réalisation certes peu plaisante, mais des personnages toujours aussi sympathiques. On se plonge avec joie dans une aventure spectaculaire type shonen. Like et partage la vidéo, et abonne-toi à la chaîne, merci, ça fait toujours plaisir.